Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Humankind avec le signe noir. Comment vas-tu le signe? Eh bah écoute, plutôt bien ma foi, plutôt bien. Je rattrape mon petit retard sur toi, tant bien que mal. Et moi, je vais honorer ma famille. Et avoir plus un de vitesse sur terre comme sur mer. Grâce oui, à ma religion. Ta religion qui... Hein, voilà. N'est-ce pas? Monsieur quoi, monsieur converti des gens. Bah je les convertis, ouais, c'est-à-dire que je conquiers leur ville, ça les convertit. Hein. Ouais ouais, je sais, c'est pas ta faute, ça se fait tout seul, sans, ouais, sans que tu puisses rien y faire, je comprends. Mais complètement. Je comprends, je comprends. Putain, j'ai presque envie de... Bah lui il serait pas déjà là-bas, je le récupérerais dans cette armée. Ah j'ai 5 armées, enfin 4 armées. Il a des chars lui, donc les lanciers peuvent éventuellement être utiles dans le contexte, on verra. En attendant, on va se mettre en pause ici. Oui, oui, je sais, je suis rentré dans une nouvelle ère, mais ce sera plus tard. Parce qu'au prochain tour, normalement, je peux débloquer deux étoiles, ou quasiment deux. On verra pour l'influence. Ça, ça va nous donner un boost non négligeable. Donc là, la prochaine, c'est combien? 3000. Bientôt, je vais pouvoir prendre une nouvelle merveille, non? Pourquoi pas? Moi, je n'ai toujours pas une seule, moi. Notre-Dame, c'est rigolo. Plus une fois, par technologie recherchée. Bof. Assez pourri, en fait. Hein. Ouais, moi, en fait, je pense que j'ai maintenant, j'ai assez d'influence, sauf qu'il n'y en a plus aucune à prendre, quoi. Et le bleu, on a pris deux, quand même, hein. Ouais, le bleu, il sert, hein. Ouais, non, le bleu, il est bien lancé, hein. Il doit être face à qui? Au vert, du coup? Probablement au rose? En partie. Moi, je vais faire le Taj Mahal. Mais c'est pas grave, les merveilles, je les conquérerai moi. Oui, t'as pas besoin de les faire toi-même. Hein. Je laisse les gens bosser pour les faire. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Ok, grenier à grains, ensuite on fait une grange, ça devrait normalement être pas mal. Hein. Alors ça va pas aider par contre. Mais qu'est-ce que tu fais à faire de la... Ah mais j'ai dit ça en politique équilibrée lui. Non. C'est vrai que la guerre n'est pas ici. Voilà. Pas du tout. Five Makers Quarters. It seems that someone took the phrase, une nouvelle merveille peut être revendiquée. Bah, on va revendiquer une nouvelle merveille. Quoi? Tu viens pas d'en faire une? Si. Ah oui, d'accord. Tu gagnes tellement d'influence que t'en fais une par tour, quoi. Ça coûte à peine 1000. Bah écoute, hein. On a toujours 1000 d'avance, hein. Ouais, non, mais j'ai 1000, mais moi je peux pas en faire puisque, puisque je ne peux pas en faire. Zut, il me faut encore un truc. Et le Hittite, il y est. Le Hittite va pouvoir choisir sa culture. Bon, on va lui laisser un tour d'avance, tant pis. Hittite, y es-tu? Et après, j'attacherai ça, je pense. Alors, à quelle ville, du coup? Il y a débat. Plutôt à toi. Ah, sur une rivière, d'accord, je comprends mieux. Toi, c'est parti en barque. Ensuite, qu'est-ce qu'on on va avoir? On va aller autant là-bas normalement. Oh, il me semblait avoir vu des... Ah oui, ils sont là les eaux côtières, ok. C'est bien ça. Quand est-ce que je peux faire la poudre? C'est pas tout de suite. Hein. Ok, ici c'est pas mal. Ici on a zéro de nourriture par tour. Ici on en perd un peu, toujours. Ça m'embête un peu ça. Nourriture sur port, on s'en fout. Ah, on peut faire des théâtres, hein. Pourquoi je les fais pas? Mais pourquoi? Mais complètement pourquoi? Hop. Parce que j'ai absolument pas le temps probablement, bon ça on va le virer, ça me sert à rien. Hop là. Le c'est port, bon. Ouais, il faudrait que j'essaie de terminer aussi. Ah oui, c'est vrai que j'ai des stupas qui sont en cours de construction. Si je change d'air, ils vont disparaître. Non, normalement non.
Bah, la dernière fois, tu m'avais dit que, mais moi, ils ont disparu. Et moi, jamais. J'ai des trucs, des forteresses anglaises qui sont encore en construction. Bah, écoute, c'était peut-être un bug avec la version aussi, alors on va voir. Hein. Ouais, c'est possible. Mais c'est... je n'en suis pas responsable. Tu es responsable de tout, tu héberges. Celui qui héberge la partie est responsable, je suis désolé. Parce qu'on avait convenu au départ. C'est vrai. Je suis bien content d'avoir hébergé vu tous les bugs que tu t'es tapé. Alors, qu'est-ce que ça te donne ? T'as déjà fini ton tour, donc je vais voir si je dois me dépêcher un peu. Ah, ça va être tendu la guerre avec le rose. Hein. Je suis à moins 3 par tour de soutien de guerre, lui il est à moins 4. Avec le quoi ? Le rose ? Ouais. Ça m'étonnerait, je suis aussi en guerre contre lui, je vais débarquer chez lui, donc... Ah ouais, non mais moi j'ai pris la seule ville qu'il avait sur notre territoire, mais du coup bah je peux plus rien faire d'autre maintenant. Ah bah ici, très loin de pouvoir débarquer moi, dès que je sors des eaux profondes c'est la mer. Hein. Je me fais défoncer le fion. Moi je perds 3 par tour, mais lui il perd 4 par tour parce que... Bah c'est exactement ça aussi, c'est exactement ça, je perds 3 et il perd 4. Et je vois à nouveau un petit bout de rose, hein, ça y est, on est en train de voir tout ton territoire. Bah j'ai tout le continent, ça y est. Ouais, ouais, bah je sais, je te vois en bas et je te vois tout en haut. Donc moi je vais travailler tranquillement à avancer à mon rythme. Alors ici du coup, on attache, bim, et on débloque une étoile d'air supplémentaire. Et par contre la suivante c'est mort. Alors est-ce qu'il a pris un truc ? Il a pris un truc le... L'autre là, qu'est-ce qu'il a pris ? Ça me le dit pas. Ah, il a transcendé encore ? Ah non, il a pris... Oh, il a pris les Mongols ! Ouh, c'est des voisins à toi ? Ouais, le Hittite, il s'est transformé en Mongol. Ah, le petit coquin. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? On peut prendre les Scandinaves. Non, c'est nul. On peut prendre les Omeyades. Ah, bah on peut prendre les Khmers. Bah voilà, les Khmers. Voilà un bon choix. Des éléphants, pour pas changer. De les éléphants, puis surtout de l'industrie, quoi. T'es en train de te faire le full éléphant. Écoute, les gens me le laissent. Pourquoi je m'emmerderais ? C'est clair. Surtout qu'à côté, il a pris les Mongols, quoi. Tant que, bon, l'un dans l'autre, ça donne pas envie de lui laisser trop l'avantage, quoi. Clairement pas. Et ça a passé automatiquement mon tour ? Ok, très bien. Ah, ou alors peut-être que j'avais déjà cliqué, j'ai pas fait gaffe. Et bah du coup, on va voir. Là, j'ai un stupa qui se termine dans 3 tours, on va voir s'il disparaît. Alors, naturaliser ou en fait, on va naturaliser. Eh oui. La petite cinématique. And technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge. And we immediately use it to find new ways to kill each other off. Greater empires build more powerful armies, but brute strength may be defeated by superior innovations. Puis après, c'est quoi le 2? It is brains versus brawn, with ever richer cities as tempting spoils for the victor. For innovation and brute strength, the Khmer. Pour ce qui est de l'innovation et de la force brute, les Khmers vous présentent un système hydraulique sophistiqué et des éléphants équipés de batteries. J'aime ça. Oui, oui, non, mais... c'est assez juste, hein, faut pas dire. Alors du coup... Ah non, mes bâtiments sont là, ouais. Donc ça devait être un bug la dernière fois. Non, là ils ont disparu. Ceux qui étaient en train de se fabriquer sont toujours là, par contre ceux qui étaient dans la file d'attente ont disparu. Très bien. Ouh, le petit barret qui fait 23 de bouffe et 67 d'industrie. 67 d'industrie ? Ouais. Ça picote. Ouh, le deuxième barret qui fait 17 de bouffe et 45 d'industrie. Bah tu vois, tout de suite, je regrette de te l'avoir laissé. Bah, j'avoue que ça va faire plaisir. Hein. Il s'ajuste pour m'énerver. Avec le petit bonus d'influence en plus, hein, qui fait pas de mal. En plus.
Seulement 22 Alors, marins, les salaires militaires, on va faire quoi? Alors là, du coup, on peut aller directement sur ces eaux côtières. Est-ce qu'on va pouvoir débarquer? Parce que c'est des falaises. Oui, on va pouvoir débarquer au prochain tour ici. Quand même, enfin. Enfin, quoi. Alors, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as pardonné des trucs, c'est ça? Un motif de discorde a été pardonné. J'aimerais bien qu'ils nous disent c'est quoi les motifs de discorde qui pardonnent. Bah, tu pouvais le voir au tour d'avant. Bah, ouais, enfin, sauf que... Tous les tours, ils m'en pardonnent un, quoi. Et là, la liste est vide. Donc, il doit y avoir un truc, genre une conversion ou une population quelque part. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Mais en attendant... Ah, mais j'avais pas vu, les merveilles culturelles, elles s'affichent aussi sur la carte. Ce qui veut dire que l'autre, le Stone Age, il l'a jamais fait, en fait. Donc si jamais je le fais rayer de la carte, et ben on perd Stone Age, c'est triste. Trop dur. Tiens, les croix rouges sur le jaune et le noir ont disparu. Ok. Ils sont revenus. Non, non, ça me dit bien qu'ils ont été éliminés, mais... Ouais. C'est parti, mutinerie, on s'en fout. Bah tu vois, ils ont encore pardonné un motif de discorde, mais du coup, enfin, je sais pas ce que c'est. Et on prend pied sur ce nouveau territoire. On va explorer un peu avant de poser un truc. Bon, alors, la question étant, est-ce qu'on déclenche une guerre contre le Hittite? On n'est pas en position de force pour l'instant, hein, très clairement. Oh, la jolie barrière de corail. Au niveau tech, où est notre unité? Architecture militaire. Donne la possibilité de fusionner plusieurs villes. Oui, donc ça, de toute façon, on va le faire, il n'y a pas de débat. Donc, on va le chercher. Plus 100 au maximum de villes, on prend. On va gagner administrateur provincial au prochain tour. Ça va enlever notre malus d'influence parce qu'on a trop de villes. Moi, j'en ai pas assez, moi. C'est pour ça que je suis obligé de partir faire des conquêtes. Ouais, t'as trop de... Ouais, mais t'as pris les mecs qui ont plus de villes aussi, t'assumes maintenant. Hein. Moi, j'ai pris les Khmers, tu vois. J'ai 60 d'industrie par bâtiment. Voilà. Et bah, je regrette, voilà. Moi, ouais, j'ai 3 étoiles bientôt finies. Pourquoi il est en infini, ce bâtiment-là? Parce que personne ne le fait. Non, c'est le bâtiment, c'est le quartier... Ah non, impossible de faire cela à cause de la stabilité actuelle de la ville. Ah oui, ça s'est parti. Ah oui, ta stabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben pourquoi? Parce que j'ai attaché deux territoires comme ça, là, et vous êtes pas content. Sérieux. Alors déjà, on peut enlever des ruines. Je suis pas sûr que ça serve à grand-chose, mais on va pas le faire, du coup. C'est ici. C'est vrai que j'aurais dû regarder ça avant de... Avant de me dire, je vais attacher à cette ville-là. On va faire une garnison là, du coup. Alors, par contre, il faut la faire en premier. Ça, c'est de l'influence. C'est absolument pas ce que je veux faire. Hop, voilà. 41 pop pour faire le bâtiment, quoi. Ouais, non, les achats de pop, ça a jamais été utile. Bah, même les achats de thunes, hein, franchement... C'est quand même vraiment hors de prix, quoi. Ouais. Ok, j'avais pas fait attention, autant pour moi, voilà. On va aussi faire un petit peu de nourriture, du coup, avant que ça parte en sucette plus que ça. Il va falloir qu'on lève une autre armée, du coup. De fait. Moi, je vais me mettre là, puis lui, il essaiera de prendre ça. Population de 6 parts. Merde. On perd de la bouffe ici? Ah bah trop tard. Bon, bah ici c'est un petit contretemps, mais effectivement il va falloir qu'on la règle parce que ça gueule un peu grave. J'en faire deux, on verra si ça suffit pas. Éventuellement, on construira plutôt ça après.
Si on met de la pop sur une ville, enfin des troupes, ça fait plus de stabilité? Oui. Ok, c'est bon à savoir. Jusqu'à ton max de stack. C'est-à-dire que si tu as un max de stack qui est de 5, tu peux faire moins 25 de, plus 25 de stabilité avec 5 troupes. Voilà, okay. Par contre, si tu en mets plus, tu n'auras pas plus que plus 25. Plus ton stack est gros, plus tu pourras, mais ça ne sert à rien de mettre 2 stacks. C'est ce que je vois, ok. Et je ne sais pas si c'est utile, si tu peux les scinder. Je ne sais pas si tu peux faire un 3-2 et que ça marche pareil. Pas vraiment testé, j'ai la plupart du temps que des troupes au max, donc... Alors, voyons voir qu'est-ce qui serait intéressant comme coin ici. 5-9, 4-4, 4-18, 4-11... Niveau bouffe, c'est vraiment merdique. C'est vraiment très merdique. On va se poser là. Hop là. Il est cool ce truc, il y a du plomb, il y a du mercure. T'as trouvé un chouette endroit? Ouais, j'ai trouvé un chouette endroit. Et d'ailleurs, pendant que tu m'aimes bien toi, est-ce que t'aurais pas des trucs qui donnent de la stabilité? Tiens, la teinture là. Bim. Alors on va regarder les autres avant. La sauge. Oh, tellement bon ça. 152, ok. 152. Et le sel. 4 de stabilité. Alors c'est la teinture le plus intéressant. On va prendre la teinture. Ça. Ça devrait finir un petit bonus quand même. Pendant qu'on n'est pas en guerre contre eux, hein, on va leur prendre des ressources. I'm already angry. J'ai envie de tir. Hop là. Peut-être qu'il me faudrait c'est du pétrole. Avec 30 quartiers scientifiques, je crois qu'on peut honnêtement dire que la grande bibliothèque d'Alexandrie a été vengée. Les Babyloniens exigent quelque chose. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Non. Non, je refuse. Alors le Babylonien, moi j'aimerais bien rentrer sur ton territoire. De gré ou de force. C'est quoi ça? Des guerriers? Ah oui, non mais il est à la masse hein. Allez hop. Traître niveau 3. Quoi? Étrangement, il a retiré toutes ses exigences. Il vient de retirer toutes ses exigences de toi? Ouais. Au moment où il se fait attaquer, on se demande bien pourquoi, tiens. On sait pas pourquoi. C'est peut-être les archers 3 étoiles qui viennent de se pointer. Mais du coup, ça veut quand même dire un truc, hein, c'est que le malus de traître est encore beaucoup trop faible, quoi. Non, mais c'est un bonus. Bah, quand tu fais une guerre surprise, t'as un malus, normalement. Quand t'es traître. Ah oui, mais le fait d'être un traître, c'est un badge, c'est un bonus. Ah ouais, voilà. Je pensais que c'était un... Parce que tu vois, le moi j'attendais... Le détenteur de ce badge gagne du soutien de guerre selon le niveau du badge lorsqu'il détruit un quartier ennemi. Ah ouais, mais non, mais c'est pareil, j'avais complètement intérêt à enchaîner la guerre sur sa tronche, quoi. Y a aucun intérêt à attendre que la trêve, entre guillemets, expire ou quoi que ce soit, quoi. Bah ça dépend, si tu veux te mettre bien avec les autres ou si tu veux pas te mettre bien avec les autres. Ouais, enfin bon, là, en l'occurrence, je m'en fous un peu, là. Surtout si tu vas venir le chercher. Ah, je veux juste lui prendre un petit bout. C'est histoire qu'on soit collé et qu'on puisse enfin commercer. Ouais. J'en doute pas. J'ai plein de trucs à te vendre. Toc. Donc ici, ça, on pourra l'attacher assez vite. Faut juste que ça se termine de construire. Eh, hey, je peux débarquer chez toi. Bah voilà, il est temps que tu le fasses. Hop, on va prendre la mer. Bon, et du coup, on va se préparer à tomber sur ce con, si c'est comme ça. Pourquoi on s'embête, franchement? Alors j'ai l'impression qu'il a gardé mes vieux bateaux.
Qui ça, il ? Ben, quand j'ai pris la mer, j'avais des vieux bateaux, et j'ai l'impression qu'ils continuent à considérer que j'ai ces vieux bateaux-là. Ah ! Ouais, j'avoue que le gameplay de Destruction de Ruines, je vois vraiment pas l'intérêt en fait. Bah, en fait, c'est des cases qui ne rapportent rien, même pas de nourriture, de quoi que ce soit. Ah oui, elle est vraiment. Oui, d'accord, ok, elle est vide quoi. Si tu veux mettre un quartier par-dessus, c'est pas un problème. Hein. Joseon Dynasty of Korea. Bonjour, monsieur. Ah, ça y est. Si tu veux mettre un quartier par-dessus, c'est pas un problème, t'as pas besoin de détruire ta ruine avant. Par contre, si tu veux exploiter les cases. Parce qu'en général, quand tu mets un quartier, tu veux exploiter les cases qui sont autour, bah, il vaut mieux nettoyer les ruines. Mais ça coûte cher et c'est long. Slan Memphis, on a découvert Slan Memphis, ça y est. Ouais. Comment ça se fait que du coup, t'as pu me dire bonjour ? Bah parce que je suis pas loin de chez toi. Ah mais justement, j'avais embarqué un guerrier pour me rapprocher de chez toi en haut et je me suis dit tiens. Non, t'inquiète, je suis à deux pas de chez toi. Ouais, je sais où t'es, c'est pas la question. Vois. Il y a une différence entre savoir où t'es et découvrir le mec, quoi. Mais j'ai l'impression que je suis pas arrivé chez toi, que je suis sur une île. Non, t'es sur une île, ouais. Complètement. Ah, je suis sur une île, d'accord. Bah, ou alors c'était une presqu'île, mais je savais pas. Oh, le badge de traître de niveau 3, quoi. Voleur et traître. Oui. Un mec bien. Je pense... Pourquoi un pacte de non-agression systématiquement? On peut maintenir des relations tendues. Hein. Oui, non mais je sais bien, de toute façon, je sais que même avec un pacte de non-agression, t'auras aucun problème à me tomber dessus comme un gros sac. Ouais, gare surprise, guerre, c'est plus ou moins pareil. Hein. C'est ça. C'est juste qu'il faut aller plus vite, mais ça tombe bien, je suis rapide. Bon. Allez hop. On va rembarquer. Encore ? Putain, mais faut arrêter de faire n'importe quoi avec la pop là. Truc en mer. Voilà, rigolo. Pourquoi je peux pas mettre. Tu veux pas venir là ? Oui, si tu veux venir là, t'es gentil, ouais. Merci. Pourquoi on perd autant de stabilité d'un coup là ? Allez, on va faire une petite bataille. On va faire ça. Et on va mettre ça. Ouais bah non mais si tu combats l'autre là clairement Non mais le truc c'est qu'il est sur une seule case en plus. 129 contre 3 quoi. Le camp des Joséons est plus fort de manière générale. Ah bon. Je sais pas ce qu'il permet de dire ça. Ah ouais, globalement t'as des unités qui sont pour l'instant pas ultra plus puissantes que moi quoi. Bon par contre l'autre en face, il était obsolète face à moi et ça va. Voilà quoi. C'est parce que je suis pas à jour. Bah moi non plus. Je vois pas le problème. Ah oui c'est quoi mon bonus avec les Khmer ? Sectionner une ville. Ah putain, c'est chiant cette pop-up qui disparaît là. Alors, mettre les villes en mode encore un traité. Tout l'argent et toute la science sont convertis en industrie. D'accord. T'exagères. Bah ouais, mais du coup, j'avais mis un mec juste à côté pour rentrer sur ton territoire. Alors, faut que je puisse le faire, du coup. Ça sert à rien, sinon. Ça sert à rien que tu viennes sur mon territoire, ceci dit, vu que le traité que je viens de t'envoyer. Ouais, non, c'est juste histoire de... Tiens, Ryan. Ha! Pas l'argent. Ha! Tu bluffes. Mais du coup, non, j'ai pas l'argent. Et du coup, par contre, ça va te donner, si tu veux, un sujet de mécontentement contre moi. Hein? Non. Ah si? Non, ça fait rien, Tu peux pas me forcer à signer le traité? Ah non, ça fait rien. T'as refusé de percer, t'as refusé de payer. C'était toi qui proposais à la base, donc. Ah oui. Alors c'est moi qui dois avoir. Non, ça fait rien. Pas de crise. Tant pis.
Et moi, j'aimerais pas que ça soit la crise entre nous. Hein. Je me sentais obligé de résoudre la crise. Ouais, je comprends, je comprends. D'exiger des trucs. Tu vois quoi? Ah, c'est cool, on peut cliquer directement sur les... J'avais pas vu dans l'interface de ville quand il y a des trucs de ressources de luxe et tout, et on peut cliquer directement sur un petit bouton dessus pour construire les mines. Ouais. C'est pratique, tu peux m'acheter des ressources si t'as envie. Ouais, mais j'en ai déjà plein, donc il y en a pas qui me manquent en fait. Bah voyons. Ah ouais, je suis désolé. Chaque ressource te donnant de la stabilité sur toutes tes villes. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ah oui. Y a une ville où ça fait un peu la gueule. Ah quoi. Le café, quand même, plus 16 de stabilité sur toutes les villes. 16. Bah écoute, j'échange de la teinture, ça me fait 20 de stabilité sur toutes les villes. Ça va, c'est cool. Mais bon, après c'est du café quand même. Café. Qui café, peut dire non à du café? Il est où le café? Toc toc. Ici. Ouais, mais ça va être hyper cher, c'est hyper loin quoi. Ah bah, c'est la vie. Ouais, non, j'ai pas les moyens, c'est beaucoup trop loin. Et voilà, on était sûr qu'il allait dire ça. Dégonflé. Bah, dégonflé! Tu me vends tes trucs hors de prix là. Non mais oh. Il y a des technos pour faire baisser ça. Ouais, mais pour l'instant ils sont tout prêts les gens là, moi je m'en fous. And a symbol of power. Only your friends know of the extensive wine cellar. Des fois je comprends pas trop les dialogues, les petits blabla de l'IA là qui te balance des trucs au début des tours. 5 ici, 5 ici, 5 ici. Et là ça fera 5 avec celui-là. I had to act quickly, you understand? For the sake of my people. Whatever comes, I only ask that you treat my people with dignity. Allez, prochain tour, on leur tombe dessus. Prends ton temps dans ton tour. Hein. Bah écoute, je vais prendre pied chez toi pour le plaisir, sur cette magnifique petite île qui est vraiment, vraiment le bout du monde, au sens premier du terme, quoi. Donc c'est la première coalition, ça y est, là, qui entre en jeu. Donc là, je gagne des étoiles sur les quartiers que je construis, d'accord. Très très bien. Ça compte comme un quartier, ça? Ouais, ça compte comme un quartier. Oula, il a 5 troupes. Alors par contre, là, c'est quand même un petit peu de leur âme. Il pourrait faire ça. Hop, on va le rapatrier devant. Hop, voilà. Non. Non, mais qu'est-ce que tu fous? Pas la caserne, on branle de la caserne. Je peux la construire de toute façon. Ah, il va m'avoir. Ça c'est quoi? Il va t'avoir, ma gueule, il va t'avoir. Le mec, m'a quoi. Eu. Super plausible. Ah, il m'a tué une unité. Je suis furieux. 7 et 2 d'influence. Ouais, ben on va faire ça là, c'est très bien. On peut le faire où on veut ça. Ouais, on peut le faire là si on veut. On va le faire là. Bon, bah voilà, il m'a eu. Déçu. Du coup, on va faire une unité ici. On va quand même garder. Ça, c'est trop loin. Ça, je pourrais l'acheter éventuellement. Ouais, mais c'est pas ouf. Ça, c'est trop loin. Ça, ça fait quoi? Ouais, ok. Ça, c'est trop loin. Ça aussi, ça, on s'en fout. Un petit peu de sel. ...183, 171, c'est parti. Tiens, rien, je t'achète du sel. Alors... Je suis gentil. Hop. Tu m'achètes du sel? Ouais, je t'achète du sel, carrément. Excellent.
J'espère qu'on va voir à nouveau les bons bateaux ce coup-ci. Ah, Babylone a perdu de la pop, il est en train de créer des troupes, attention! Il se prépare à contre-attaquer. Tolérance religieuse ou pas? Pas trop. Hein. On en est où de lui là? Moins 7. Ah, il a une stabilité basse donc il perd du soutien de guerre aussi le steak là. Ouais. C'est bon ça. Ah, on a passé le tour? Ah putain, c'est un peu trop silencieux le passage de tour. Hein. T'as eu. Hop là. Et là, du coup, non. C'est l'armée que je veux sélectionner. Pourquoi tu peux rien faire? Ah, mais je suis déjà dedans, d'accord. Donc je suis déjà en renfort en fait, c'est ça que tu me dis? Yes, c'est ça que tu me dis. Oh, ok, très bien. Bah, on va faire la résolution, hein, du coup. Ouh, ça fait mal! What the fuck? Ah, bah, carrément, ouais. J'ai perdu genre 6 unités, quoi. Aïe! Ah non, plus que ça, attends. 7 unités. Oh! Ça fait tellement mal. Ça fait tellement, tellement mal. Franchement, si t'étais presque chaud pour recharger la bataille, la partie, enfin le tour. Eh ben c'est ce qu'on fera, mais au prochain épisode. Ouais, complètement. Parce que je suis un peu déçu par cette bataille automatique là. Ah ouais, non, les batailles automatiques, des fois, c'est pas du tout ce qu'on pensait. On redémarrera au début du prochain tour, au prochain épisode. Merci, tu es bien urbain. À plus tout le monde. À plus tout le monde.